Salut chers amis, on est le samedi 9 septembre 2017, je pars direction Paris. Je vais directement à la gare là de Brive, donc là je vous mets tout en 360 parce que oui, je pars à Paris, à l'Electric Park avec DJ Ralph, donc je pense que vous avez dû le voir récemment, mais maintenant je le partage encore sur M3D. C'est juste ouf, là je m'en rends pas compte encore, mais je pars sur un gros événement. Alors ils annoncent pas du beau temps, comme vous pouvez voir à Brive, il vient de pleuvoir et je viens de passer entre deux averses, donc ça c'est pas mal, ça va être juste extraordinaire. Là je rejoins des potes à la gare parce que je me suis aperçu qu'il y avait des potes qui prenaient le train de Brive ce matin à 8h comme moi. Là il est 7h30 là, donc c'est pareil, ils seront avec moi en backstage à l'Electric Park, donc c'est trop bien, c'est des coïncidences, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure les amis, je vous retrouve à la gare, ça va être juste exceptionnel. Je pense que je vais vlogger tout le week-end. Je vais vlogger à Paris, à l'Electric Park, je vais vlogger demain aussi si je reste un petit peu sur Paris. Ça va être trop bien. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis, bye. C'est juste énorme. Un petit peu l'histoire. Là on est dans le train, on arrive à Limoges, donc là c'est juste extraordinaire. Ce matin je suis arrivé à la gare de Brive et il y avait un client à moi, qui est collègue à moi également, et qui participe à l'Electric Park également en backstage. Donc du coup on va faire la route ensemble, c'est-à-dire que je vais arriver en gare d'Austerlitz, on va aller jusqu'à gare de Lyon à pied, on va prendre le RER A jusqu'à Château. Et on va faire ça en route, et au début je devais être tout seul, puis finalement je le fais à deux, et puis je retrouve en plus un client à moi, c'est ça qui est juste énorme, et j'avais complètement zappé qu'il devait venir, et c'est lui qui me l'a rappelé hier sur Facebook en me disant mais finalement tu viens, voilà. Donc c'est ça qui est juste énorme. Donc là on arrive en gare de Limoges, il me tarde d'arriver à Paris, de voir un peu tout ce festival, c'est juste énorme. Donc en tout cas, je vous dis à tout à l'heure les amis. Bon voilà chers amis, on vient d'arriver, gare d'Austerlitz, je suis avec Seb, donc qui est la team Space Invaders, c'est ça, de Joachim Garraud. Donc c'est marrant parce que ce que je vous expliquais en vidéo tout à l'heure, c'est que je me rappelais plus que Seb venait à l'Electric Park, et puis finalement on était dans le même train, donc du coup on fait la route ensemble, et ça c'est trop bien, c'est ça, les petits concours de circonstances. En fait, j'en avais rien à foutre, j'en avais rien à secouer, voilà. Donc du coup on est gare d'Austerlitz, on va gare de Lyon, on prend le RER A. Et après on fait voilà la petite pause pour lui, moi je mange chez mon cousin Montesson, et puis après ben basta. On est parti. Allez, bye. On est bien là. Ah, cette bonne position. Oh là là, quel plaisir d'être à Paris. Festival de ouf, quoi. Avec DJ Ralph. Salut les copains. C'est mon copain depuis 4 ans, à peu près 3 ans. Mais alors, je me posais une question. Comment ça se fait que je bosse avec toi en fait? Parce que je me rappelle de la première vidéo, elle était pourrie. Ouais, mais parce qu'avant j'avais un caméraman, mais il était beau et ça me faisait de la concurrence. Donc j'ai dit je prends un petit et moche et je suis bien. Ah, connard. Donc voilà, ça c'est un putain d'asticot. Eh, putain, mais merci Ralph, parce qu'à chaque fois. Ah, mais heureusement qu'il est là, putain. Parce qu'il fait des super images. Et putain, il me fait participer à des événements de ouf. Ah, putain, c'est énorme. We'll be right back.
Bon, mais voilà, c'est terminé. Bon, Ralph, un petit mot? Bah, le petit mot, waouh! Un grand bravo à Joachim, toutes ses équipes, parce que vraiment, reprendre une Inox, après, il y a des choses plein de choses compliquées qui sont passées. Il a réussi avec une programmation beaucoup moins importante, mais avec par contre plein d'artistes prometteurs, plein de jeunes artistes qu'il a voulu mettre en avant. Des jeunes, des moins jeunes, bah, comme moi. Et je pense que le résultat était là, et ce qui prouve que les gens ne veulent pas voir tel ou tel DJ. Ils vont venir pour un événement. Et Electric Park est là, Inox Park est mort, vive Electric Park. Yeah, c'est trop cool. Salut tout le monde, c'est Vince. Bon, que dire de cette soirée hier au festival Electric Park à Chatou? Juste exceptionnel. Alors là, vous voyez, je suis sur les l'Arc de Triomphe. Je me cale tranquillement avant de reprendre mon train. Et puis voilà, quoi, ça va être juste extraordinaire. Juste un week-end au top, un truc qui s'est vraiment bien passé, de très belles rencontres, de très bels événements. J'ai vu de loin Bob Sinclair, c'était juste énorme. Donc j'ai passé la soirée avec Ralph, et puis après, voilà, un très beau set, une très belle organisation, c'était juste un truc de malade. Et là, donc, du coup, je suis à l'Arc de Triomphe. Voilà, ça fait trop plaisir. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog, peut-être que je referai tout à l'heure une autre vidéo pour annoncer la fin du vlog dans le train, mais voilà, juste un petit week-end parfait parisien. J'ai pas eu le temps de tout visiter parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement chargé et que j'ai pas forcément envie d'aller me balader dans tout Paris avec mes valises, mais c'est trop bien. Voilà, donc je vous fais de gros bisous les amis, et puis merci d'avoir suivi ce vlog, ça me fait plaisir, et puis je suis vraiment complètement crevé là, en fait. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis je pense à vous, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, commentez, et puis je vous dis à la prochaine, bye. Voilà, arrivé Gare d'Estaing, les amis, c'est le départ qui s'annonce, ça va être juste assez émouvant, parce qu'à chaque fois que je pars de Paris, j'ai une petite larme à l'œil, et là, voilà, j'avais juste un mot à vous dire par rapport à ce week-end que j'ai passé, simplement, un seul mot, c'est agissez, vous posez pas de questions et faites, parce que en fait moi on m'a posé ça il y a 4 jours maintenant, 4-5 jours, on m'a mis un petit peu sur le truc de me, comment ça s'appelle, c'est impressionnant, je fais une vidéo avec trop de taquets de monde, j'adore ça, c'est juste un truc de dingue, et attendez, je cherche ma voix en même temps, donc là je prends le train direction Brive. Et en fait, c'est c'est juste dingue, parce qu'il y a 4 jours, je ne savais pas que j'étais à Paris. Et là, je suis à Paris, donc je vous ai dit, agissez, on m'a posé ça, et puis finalement, je l'ai fait, et j'ai agi, et là, je suis allé à Paris tout seul. J'ai retrouvé un pote, j'ai retrouvé des amis, j'ai fait des rencontres juste magiques. Et ça, je l'aurais jamais fait si j'avais pas agi, si j'étais resté dans mon canapé. Donc, un seul mot, agissez, c'est juste un truc de ouf de pouvoir comme ça se balader. Et franchement, je trouve une immense gratitude envers toutes les personnes qui me soutiennent, qui me poussent à faire ça, et c'est juste ouf. Et là, c'est tellement magique. Voilà, et là maintenant c'est retour à Brive. Donc je pense que je reviendrai très prochainement à Paris. C'était ma première date ma première date parisienne, et c'est juste impressionnant. Ça fait tellement plaisir que voilà, j'ai passé un moment de fou, et vous l'avez vu dans les images, que c'est juste dingue les privilèges qu'on a quand on travaille en backstage, qu'on fait des trucs de dingue comme ça. Et pour rien au monde, je changerai de métier, en fait, je vais continuer dans ça et continuer à vous inspirer également, à vous motiver en vidéo, en vous montrant un petit peu tout ce que je fais à droite, à gauche. C'est... vous imaginez pas, c'est juste dingue. Je remercie également mon cousin et ma cousine qui m'ont hébergé. La petite vidéo que j'ai fait de ma petite cousine également, c'était un cover, elle chante super bien, et je lui ai fait une petite vidéo pour lui faire plaisir. Et franchement, je pense que ça va cartonner parce qu'elle a une voix de ouf. Et puis voilà, c'est juste un week-end de dingue. Donc en tout cas les amis, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vais prendre mon train. Petite larme à l'œil un petit peu de quitter comme ça Paris, ça fait super bizarre. Mais c'est le jeu, on reviendra après. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye.